Ah, dis-moi. Ah, oui. Bon, bah alors, écoute, ce sera du 1er août au 31 août, probablement. Toi, ta plage de tournage exacte, je ne la connais pas encore, mais on sera dans ces eaux-là. Donc, en revanche, si toi, tu as des dates avec eux, dis-moi. Oh la vache! Ok. Donc là, on va être un peu en aveugle pendant un certain temps. Ouais. Alors en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on aura la deuxième semaine d'août où il y aura tous les extérieurs. On est obligé de la bloquer. Donc, tu vois, du 7 au 15, il faudrait que tu sois là, quoi. Donc ça, impérativement. Je te redirai, dernier cara. Quand j'ai besoin de savoir pour éventuellement et malheureusement, si tu peux pas le faire, quoi, de trouver quelqu'un d'autre. Donc, non? Tu penses que tout ça pourra se faire? D'accord, ok. D'accord, ouais. Donc TF1 te prévient début mars, quels seront tes. Il te donne, là, dans ce cas-là, il te donne ton planning ou pas dans ce cas-là? D'accord, ok. Bah, ouais, bah, dès que tu peux, tu me dis. Nous, on n'est pas encore sur le plan de tournage précis, mais on sait, là, obligatoirement, vu la disponibilité des trois autres actrices, que ça se fera surtout le mois d'août. Alors, après, nous, on va rentrer dans le détail de chaque séquence pour savoir qui doit être là, et quand, et avec qui, tu vois. Donc voilà. Mais en revanche, si. Ah oui, ah bah ça oui, oui, parce que là, on aura tous les extérieurs et surtout, on ne pourra pas revenir dessus après. Tu vois? Donc, si jamais ils ont la possibilité de ne pas du tout te prendre sur le mois d'août, hein, ce serait génial. Maintenant, autre chose, quand est-ce que tu penses être dispo pour le petit sujet sur Alice? Oui, tu penses que ça se ferait quand à peu près? Tu as vu ce que j'ai fait avec Floriane? Eh ben, va le voir. C'est sur juste après les larmes. Tu regardes, c'est un document qui dure 18 minutes. Tu vas voir en gros comment ça se passe. Non, il n'y a rien de préparé. Ah, rien du tout. Donc, ouais, voilà. Bah, tu vas voir comment elle en parle et tout. Et bientôt, il y aura celui de Sandrine. Donc, tu verras également comment ça se passe. Ok? Ok, entendu. Bon, ben, on se tient au courant sur tout ça. Ça marche? Je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Ça vient d'être prévenu que le personnage qu'elle joue dans une famille formidable est reconduit. Et il se peut qu'elle ait des jours de tournage en août. Donc, nous, putain, pour le planning, ça va être compliqué. Donc, moi, là, je lui ai dit. Qu'elle bloque la deuxième semaine parce que là je ne pourrais pas revenir sur les extérieurs. En fonction des dates qu'elle va communiquer, le seul problème qu'elle a, c'est qu'ils ont toute une série d'épisodes qui va se tourner je crois que c'est justement du genre 15, juste après le 15 août jusqu'au 15 septembre au Portugal. Donc, alors bonjour si jamais elle fait partie des épisodes. Alors elle sera pas absente autant de temps parce qu'il font venir uniquement pour ce qu'ils ont à faire. C'est pas un rôle super important qu'elle a, mais n'empêche que là, ça risque de nous foutre dans la C'est merde. compliqué. Elle n'est pas forcée, elle n'est pas toujours avec quelqu'un. Non. Elle n'est pas toujours avec quelqu'un. Non, déjà. Il y a des scènes où elle est toute seule. Voilà. Ça peut se décaler. Voilà. Mais donc, avec non, mais vous vous rendez compte le bordel qu'on va avoir au niveau du plan de tournage? Ah oui, c'est sûr. Putain. Sachant que les deux autres, elles sont libres en août, quoi. Ah bah là, elle, c'est sûr. Elle, c'est sûr. Alors justement, pour que les choses soient bien claires, nous on va définir que c'est du 1er au 31 août le tournage, comme ça c'est imposé à tout le monde. Et on ne va pas attendre d'avoir fait le plan de tournage. Parce que là voilà, exactement.